Chez nous, en Moselle-Est, notre horizon, ce n'est pas l'océan, mais la pétrochimie. Ici, pas de plage polluée, mais de la fumée. Le plastique, avant d'être un déchet, est un bien manufacturé qui apporte confort, sécurité, emploi. D'ailleurs, chez nous à Carlin, la plateforme pétrochimique Kemesis, construite en 1947, a sauvé de nombreux emplois menacés par la fermeture des mines à charbon. Cette usine produit quatre types différents de plastique, comme le polystyrène, le polyéthylène ou des résines. Alors aujourd'hui nous sommes au lycée Charles-Julie et nous allons vous faire découvrir une filière de notre lycée. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Mickaël et je suis étudiant en BTS Aéroplastique et Composite. Est-ce que cette année vous avez un projet particulier? Oui, donc on a pour but de réaliser des placements pour enfants atteints d'une maladie digestive rare pour les aider à s'alimenter correctement. En quoi il fait ce plastron? Il sera fait en matériau élastomère, donc en silicone. Et pourquoi ce matériau? Car tout simplement il est souple et il possède de bonnes propriétés mécaniques et chimiques également. Donc, le plastique est utile. Et maintenant, c'est déchiré, on en fait quoi? Nos déchets ont de la ressource. Chez nous, c'est le SIDAM qui s'en occupe, un centre de tri qui, depuis 20 ans, valorise plus de 100 000 tonnes de déchets chaque année en partenariat avec l'Allemagne. Bien sûr, trier le plastique reste compliqué, car il en existe de nombreuses sortes. Et recycler le plastique coûte cher et il n'est pas possible à l'infini. Pourtant, trier mieux et accepter de payer pour nos poubelles permet de lutter à terre contre la plastisphère, car en mer, c'est trop tard. Ils meurent tous ces planctons, grâce auxquels nous respirons. Mais vive les troncons, tu les nourris de plastique, leur poison. Elles meurent toutes ces tortues, avec ton sac plastique à s'étrangle. Mais ce que tu veux pas comprendre, c'est que c'est toi qui les tues. Ils meurent tous ces phoques, mais toi tu t'en moques. De toute façon tu les vois même pas. Et la planète, pauvre planète, tu la salis, tu la pourris, tu la détruis, tu l'assassines, notre belle planète. Mais toi tu t'en fous, au final on a l'océan qu'on mérite. Avec nos déchets plastiques, y'a qu'à voir près de notre lycée. Les déchets au sol, ça semble plus pratique. Si ça pouvait nous révolter rien qu'un peu. Aux armes lycéens, aux armes citoyens. Que le plastique redevienne fantastique. Tout est une question de volonté, un peu de bon sens et de solidarité. On est tous responsables, on est tous acteurs. Moi c'est ce que je veux, et toi, qu'est-ce que tu veux?